Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Manes Productions en compagnie de votre Dark Elyrion qui est claqué. Journée très longue au boulot, fatigue dodo. Mais, live réveillé me permet de rester éveillé et de penser à plein de choses. Ceci ayant été dit, mes très chers amis, je suis face à des problèmes d'ordre technique. Dois-je vous faire part du fait qu'actuellement, ce matin, mon réveil m'a planté. Oui, je ne suis pas arrivé en retard au boulot. Par contre, je suis arrivé en retard à mon autre boulot. C'est-à-dire que, à la base, vous le savez, je vous avais dit ça hier soir, je vous avais dit, mes chers amis, demain, je vais faire l'intégralité d'une grosse majorité... Eh bien, des énigmes en m'aidant du galpin de tricherie que je possède à mes côtés pour pouvoir avancer et poursuivre notre route dans la plus grande tranquillité ce soir. Eh bien, ce matin, je vais arrêter cette voix de merde. Eh bien, ce matin, j'ai perdu. Enfin, mon réveil m'a failli. Donc, je me suis réveillé en fait à peine une heure avant d'aller bosser. Ce qui fait que, j'ai pas du tout eu le temps de me préparer pour. Pour avancer les énigmes. Voilà. Je vais essayer de me rattraper ce soir. C'est pour ça que je vais avancer ce soir une partie des énigmes. Ça va être encore une fois une séance farming. À mon grand désespoir, à mon grand regret, je m'en excuse. Mais ce sera un live très court. Je pense que je ferai un live d'une heure. C'est assez... vous avez été suffisamment gâtés ces trois derniers jours. Je vous ai fait littéralement deux lives de trois heures. Je pense qu'un petit live d'une heure n'est pas un problème. Voilà. Un petit live d'une heure où je fais... je vais voir ce que je vais faire. Parce qu'à la base, nous avions fini hier de faire l'histoire de la Franciade. Mais clairement, il nous restait encore pas mal de choses à faire en Franciade, mais pas qu'en Franciade, un peu partout en fait. Il y avait pas mal de choses à faire. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Très bonne question. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire ce soir, on va finir l'un des objectifs principaux de toutes les séries que j'ai faites sur Assassin's Creed, c'est-à-dire explorer. On va finir d'explorer Paris. Et une fois qu'on aura exploré l'intégralité de Paris, déjà, ce sera une bonne victoire pour ce soir. Ça va pas nous prendre une heure d'explorer Paris, mais je pense déjà qu'on va pouvoir explorer Paris et découvrir des choses. Je l'espère. Peut-être qu'on se fera une petite énigme avant la fin. Voilà, on se fera une petite énigme, bien évidemment, en trichant allègrement. Allègrement. Je répète qu'actuellement, ces jeux sont vieux. Hein. 2016, 2014, on est encore loin... d'origine et tout le bordel. Donc pour l'instant, je me permets la tricherie allègrement parce que c'est les vieux jeux. Hein, vous le savez, je le répète, je ne le répéterai jamais assez. Ces jeux ont déjà passé leur date de vie et j'aimerais très rapidement expérimenter la nouveauté de Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey et Assassin's Creed Valhalla et Assassin's Creed Nouvelle Génération qui sortira en cette nouvelle année prochaine. Voilà. Et à toi, à se coucher. Mon grand plaisir. Oui, tout va très bien. Je me sens bien. Je m'entraîne, je me réchauffe les doigts. En parlant de réchauffer, je suis en train de me rendre compte que la chambre est très froide et qu'il est temps de mettre le chauffage. Je reviens. 30 petites secondes. Oui, parce que je fais des économies d'énergie la journée, donc je laisse ma chambre se refroidir, mais je suis arrivé un peu en retard ce soir, puisqu'il a fallu, mesdames et messieurs, il a fallu que j'aille... Non, c'est celui-ci. Ouais. Il a fallu que j'aille acheter le repas de Noël pour demain. Alors oui, j'en profite aussi, je profite de l'occasion pour parler, pour vous faire part de ceci. Demain, live de 7h. Alors vous êtes bien évidemment, je ne vais pas faire 7h non-stop d'affilée complète. Hein. On va se calmer. Moi aussi, je suis un être humain et j'ai besoin de manger. Donc,
ce sera 7h avec soit je couperai le live et je ferai autre, voilà, je redémarrerai un live 30 minutes derrière, le temps de me rassasier l'estomac et de voilà, je sais même pas où est-ce que je vais, de me rassasier l'estomac et d'être en... Je passerai chez vous voir dans quelques instants, bougez pas. Laissez-moi le temps de savoir où est-ce qu'il faut que je... Puisque... Pardon. J'ai passé. Bon, je disais... Voilà, le temps que je me rassasie pour pouvoir ensuite être en pleine forme pour la suite. Après cela... Crétin, non mais je vous jure. Quelle vulgarité. Bref, je disais donc voilà, le temps que je me rassasie, puis une fois que je serai rassasié, à ce moment-là, nous reprendrons le live. Donc encore une fois, je ne sais pas si je couperai le live ou si pour l'occasion je ferai voilà, un live non-stop, 7 heures d'affilée. Hein. Ça fera un gros upload sur YouTube. Ça va lui faire plaisir à YouTube hein, de voir des gens qui uploadent des vidéos sur lui. Voilà. Désolé messieurs, je n'ai pas eu le temps de vous sauver. Néanmoins, je vous ai rendu justice. Oh mon dieu. Bah oui. Sauf que personne ne bouge le petit doigt quand il y a une personne qui est morte et que c'est pas moi qui l'ai tuée. Ah, tout le monde commence à bouger, commence à hurler au secours, au scandale, à la mort, à l'assassin. Mais quand c'est pas l'assassin qui tue, hein, bah, personne bouge son petit doigt, c'est là. Il est mort. Normal. La vie est drôle. La vie est sympathique. Ah. Il y a quelque chose ici. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. Synchronisons-nous. Aïe, aïe, aïe. S'il n'y avait pas les bugs de texture et... Je me rappelle plus quel est le terme technique pour parler des éléments qui pop d'un seul coup à l'écran. C'est... Ah. Les Marseillais. Enfin, la Marseillaise. Ce qui veut dire qu'il y a certainement... Haha, un club de réunion à rénover. Je vous rappelle que les clubs de réunion non rénovés nous rapportent du pécule. Oh, tiens, des religieux. C'est rare qu'on en voit, dites-moi. Bien évidemment aussi, j'en profite pour vous parler du fait que dans le live des 7h... Il y aura une grosse partie du live qui sera consacrée à la lecture du reste des éléments que j'aurai chopé pendant le live. Oui, vous n'y échapperez pas, hein, je vous le précise. Parce que c'est une tradition au sein de ma chaîne au niveau de Assassin's Creed, hein, que je lise l'étendue de l'histoire des éléments historiques et personnalités, etc., 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 l'évolution de tout ce bordel, bien évidemment. Surtout qu'il y en a pas mal que je n'ai pas lu depuis un petit moment. Ça cumule, mesdames et messieurs, ça cumule. Et voilà. Encore un peu plus de pécule. Et ça, c'est bien. Ah, ah, est-ce que j'ai gagné une nouvelle musique? La guillotine permanente. Attention. Voilà.
Eh bah putain, un champ aussi starbé juste pour un outil destructeur qui a tué des centaines de... peut-être des milliers de personnes. Tout un champ, hein, c'est incroyable. On est des vrais malades, les Français, c'est incroyable. Lors de sa première utilisation, le 25 avril 1792, la guillotine fut mal accueillie. Le public était déçu. Déçu! Déçu! De la brièveté des exécutions et du manque de divertissement. Bande de... Elle devint cependant la forme officielle d'exécution, la guillotine permanente. Et là, l'histoire du docteur Guillotin et de son invention. Eh ben, dis donc. Deuxième chant populaire de la Révolution française, le chant du départ. Ah, on l'entend pas ? On l'entend pas. Allô? Ouais, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle. Pour elle, un Français doit périr. Eh bah, bordel! Pour elle, un Français doit mourir. Non, mais je maintiens, on est vraiment des starbés, nous, les Français. Hein. Au niveau de nos chants nationaux, on est... impeccable. Incroyable. Chant du départ. Écrit par le poète Marie-Joseph Chénier, sur une musique d'Étienne Méhul, ce chant fut souvent considéré comme le frère de la Marseillaise. Il fut chanté pour la première fois après la victoire de Fleurus, 8 Messidor en 2, 26 juin 1794, contre la coalition Royaume-Uni, Anvers, Province Unie et Empire des Habsbourg. Et de nouveau le 14 juillet 1794 pour l'anniversaire de la prise de la Bastille. Initialement, intitulé « Hymne à la liberté », il fut renommé par Robespierre qui en appréciait la poésie grandiose. Les paroles glorifient la passion martiale des Français prête à s'emparer du nom du monde au nom de la liberté républicaine et surtout à mourir pour la République. Mais ça, je pense que c'était assez obvious. Eh ben... Ouais. Alors dites-moi donc, oula, il y en a bien donc des nouveaux trucs, oulalalalalalalala, ou cancer. Ça c'est mon signe, on va le faire ce soir, on fera cancer avant de partir. Allons explorer de nouveaux territoires d'abord.
Alors, c'est par où? C'est par là! Mais... Misérable! Comment oses-tu? Immonde porcaillon! Alors j'ai pas mon petit pense-bête de message capitaine Hadokien, mais ça c'est parce que justement j'ai les renforts de messages de enfin j'ai les solus à portée de visuel. Mais ne vous en faites point, capitaine Hadokien que nous sommes, nous commencerons à utiliser le vocabulaire que nous avons déjà usité par le passé. Un grand savoir nous a été transmis par Maître Capitaine Haddock. Par Captain Haddock, même devrais-je dire. Enfin, il y a des catholiques de partout ici, c'est incroyable. On est bien dans le 16e, hein. Les religieux, c'est les riches. Non, je m'en fous là, je m'en fous le garçon volant. Alors c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup des quêtes secondaires. Il est vrai que nous nous sommes très peu intéressés à tout cela. Mais encore une fois, si je devais m'intéresser à toutes les quêtes secondaires de toute l'histoire existentielle, enfin de tous les scénarios du jeu, mon let's play ne ferait pas 25 épisodes, mais il en ferait 40. Voilà, ça a été déjà le cas avec Assassin's Creed Black Flag. Et le problème, c'est qu'en ce moment, je manque clairement de temps pour m'occuper de m'en occuper personnellement tout seul. J'ai plein d'autres choses sur lesquelles je travaille, donc je n'ai plus le temps de faire un petit peu de farming solo. Je dois aussi l'avouer. Le matin, j'ai été réveillé à 10h, mais même si j'ai pris mon petit déj en 10 minutes, les 40 minutes restantes, elles ont passé à préparer d'autres choses qui étaient plus urgentes. Et oui. Le jeu vidéo est peut-être un truc qui me passionne et que j'aime beaucoup, mais ma vie se concentre sur de nombreux éléments, nombreux autres éléments. Hop. Alors, je fais votre boulot à votre place et je me fais agresser par la marée chaussée. Ha ha! Est-ce que je pourrais avoir un moment où je pourrais vous exterminer? Voilà. Voilà. Ha ha, raté. Voilà. Reste couché et lâche-moi. Merci. On va en profiter tout de suite. Tac, tac, tac. Parce que j'avais vu un coffre. Alors bon, non. Dans l'état actuel de votre vie, je dirais que non. Oui. Ah non. Voilà. Voilà. Il reste plus que toi, mon lapin. Plus que toi et ton égocentrique, enfin, et ton égocentrisme exacerbé. Coffre. Argent. Monnaie. Comment monte-je dans ce bâtiment? Très bonne question, me répondrez-vous. Eh bien, je n'en sais rien, messieurs les marcassins, les fantassins. Je ne sais point. Je ne pourrais l'affirmer, ni même le confirmer. Tac. Mais au final, ce ne fut plus rapide que ce que j'avais cru. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Sincèrement, vous foutez quoi ici? Ah, vous êtes en train de faire des rénovations? Mais arrêtez de glander, bande de paresseux, bossez! Non, mais... Alors, pardon, mon pigeon, mais c'est ma place. Tu as des toits, tu as des murs, t'as des trucs partout, hein? Cette corniche, elle est à moi. Non mais, je vous jure. Putain, qu'est-ce que c'est beau, bordel.
incroyable, ce jeu quand même. On est en 2014, quoi. C'est fou, hein. On est qu'en 2014. Encore des coffres en veux-tu, en voilà. Allez, plus que deux. Ça fait déjà 26 minutes que nous sommes sur ce live. Essayons de terminer ce jeu. Je vais essayer, voilà, de me lever tôt le matin parce que je commence assez tôt. Et que je n'aurai qu'une demi-heure après. Oula. Le tambour... enfin, le tambouriste. Tambourineur. Le percussionniste. Le fantôme percussionniste. Voilà. Il joue des percussions, mais c'est un fantôme. Il travaille pour la France. Pour faire marcher la France au pas, même dans la mort. Oh, les Invalides! Tellement de lectures, mesdames et messieurs. On aura tellement de lectures pendant ces 7 heures. 7 heures, vous vous rendez compte? Je crois que c'est l'un de mes plus longs lives. Je crois que j'avais fait un live de 6 heures, je sais plus quand. Ce sera l'un de mes plus longs lives. On se rapproche progressivement bientôt, hein, un jour ou l'autre, un live 24 heures, je sais pas quand, mais peut-être qu'un jour je ferai un live 24 heures. Oh bah tiens. Oh, il est gratuit celui-là. Quel bonjour. Alors, combien tu me réserves? On est dans la 16ème, s'il vous plaît. 350. Bon, c'est pas mal. Ça vaut pas les coffres de Francillade, quoi. Ah, les coffres de Francillade, c'est incroyable. Vous manquez d'argent, vous n'arrivez pas à atteindre le dernier morceau d'argent qui vous manque pour votre superbe armure. Voilà, pour compléter les derniers éléments de set d'armure légendaire que vous recherchez. La Francillade est pour vous. 5000 francs dans un seul petit coffre de level 1. Même dans les coffres simples, vous vous faites un blé fou, faramineux, vous dis-je. Incroyable. Incroyable, vous dis-je. Et de quoi se faire un blé de dingue. Un blé de dingue. Eh oui, mais oui. Enfin bon. Alors par contre, où est-ce que je saute? Ah ah! Conventionnellement, de la paille. Parce que la convention l'a exigé, nous devons mettre des éléments de paille sur tous les toits parisiens. Oui. Le dernier point de vue. Le dernier spot, le dernier endroit, le dernier élément, mesdames et messieurs. Nous aurons alors exploré l'intégralité de toute la ville de Paris. Voilà. Aux Invalides, bien évidemment, nous mettons des canons pour tirer sur les Parisiens du quartier Saint-Lambert. Dégagez là, dégagez Manon. Laissez passer votre sauveur. C'est quand même l'une des zones que j'ai le moins explorées. Hein. Même en mission, on n'est jamais allé là. Elle est dans le nord. Mais alors le sud de Paris, il a été laissé à l'abandon. Vraiment. Incroyable mais vrai, mais le sud parisien, c'est... ça a été le délaissement total. On n'a jamais exploré cet endroit. Et on ne l'explorera peut-être jamais complètement. Voilà. 7 heures de live, mesdames et messieurs. 7 heures de live et nous avons tellement de choses à faire. Je pense pas que j'arriverai à terminer à 3 heures, en 3 heures demain, parce que je pense que j'aurai que 3 heures de 3 heures pour pouvoir un peu avancer le jeu, enfin le jeu, de mon côté. Je pense que j'aurai du mal à finir en 3 heures les derniers éléments d'exploration, enfin de... Les derniers éléments de... je vais y arriver. Et... 80... Les églises ont des emplacements de rue? Je ne savais pas. Je pensais que c'était des bâtiments un peu spécifiques et qui n'avaient pas vraiment d'emplacement précis. Genre vraiment... tu vois, c'est genre un bâtiment à part. C'est pas... C'est comme la place de la République... Enfin, la place de l'Arc de Triomphe. C'est l'Arc de Triomphe, il a pas un numéro de rue, quand même, non? Si? Si? Réellement? Jamais fait gaffe, moi, en fait. On en apprendra tous les jours. Et voilà! Ainsi, j'ai exploré Paris. Complètement et définitivement.
Paris est... n'a plus de secret pour moi. Autre chose. Là. Hop là. Bon. Alors, attendez. Parce que j'aimerais vérifier quelque chose avant de partir voir le cancer. Boost, compétences, consommables, non. Compétences, corps à corps, santé. J'ai pas assez de points pour l'instant. Discrétion, il y avait, à part ce truc là, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. La portée, ah c'est vrai, j'ai le gaz toxique et j'ai ça. Mais bon, sincèrement, je m'en sors très bien avec ce que j'ai actuellement. Je pense par contre que l'exécution au sol serait pas mauvaise. C'est pas un truc à délaisser. Les armes longues, j'en ai plus besoin. Les armes lourdes, c'est pareil. Hein. Je m'en sors très bien avec mon arme à une main actuellement. Par contre, ouais, arme au corps à corps, je pense que l'exécution au sol, elle me sera très utile. Je pense. Préparation de l'équipement. Arme, équipement, non. Boost, non, je m'en fous. Ah, ça s'achète. Oh, d'accord, ça s'achète. Ouais, bah, non, je m'en fous. Par contre, il y a un truc que j'avais vu quelque part. Où est-ce que c'est? Ah, je peux l'acheter, d'accord. Non, mais non, je m'en fous. C'est quoi le secret de la révolution? 3 missions, 9 armes, 5 pièces d'équipement. Je m'en fous. Contenu à débloquer, 10 objets disponibles. Ah, ça je m'en fous. Utiliser le code, pack time saver, afficher l'emplacement des missions et des objets à récupérer à l'aide de Crédit Elix. Bon, les meurtres à résoudre, on les fera jamais. Les récits parisiens, pareil, mon grand désespoir. Parce qu'il y avait certains récits que j'avais très envie de faire. Les énigmes de Nostradamus, je pense que je les ai toutes, normalement. On va vérifier, hein, mais je pense que je les ai toutes. Donc on va prendre ça, parce que c'est ce qui me reste à acheter. Carte coffre et cocarde pour 150 Elix, parce que j'en ai 320. On va utiliser les... Oui. On va les utiliser. Voilà. Pour 150... J'ai donc maintenant les emplacements de tous les coffres sur la... Oh putain! J'en ai laissé beaucoup au nord. Oh la vache! Waouh! Waouh! D'accord, je vois où est-ce que j'en ai laissé. Ah ouais, quand même. Les missions. Alors, voyons ça. Ah, ça ne dévoile pas les récits, les énigmes de Nostradamus. Parce que, attendez, il me reste combien d'énigmes actuellement? Voyons ça, suivi de progression. Récit parisien, mission coop, mission vol, séquence 10, ouais, on s'en fout, c'est pas ce que je veux. Café théâtre, mission compagnon, les énigmes de Nostradamus, voilà. Il m'en reste encore combien à choper? J'ai réussi à choper déjà tout ça. On a quand même fait pas mal. On a Pisces, Aquarius, Capricorne, Sagittarius, Cancer, Gémini, Taurus et Jupiter. Ça nous en fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 qui nous restent. Est-ce que je les ai bien sur la carte, les 8? Alors, j'ai 1, 2, 3, 4. Ah! Ah oui, quand même! Va falloir que je trouve les autres. Attendez, je les ai mal comptés. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me manque deux éléments. Intéressant. Très intéressant. Allons récupérer déjà ce café théâtre. Parce qu'au pire, au pire du pire, je vais acheter les énigmes de Nostradamus. Mais ce serait con. Parce que sincèrement, s'il y en a que deux que je dois trouver, je pense que je peux aller chercher grâce au cheat code. Pas besoin de chercher plus. Mais les cartes des coffres et cocardes, je pense que c'était nécessaire parce que je pense que voilà. Je vais pas me casser la tête à tous les chercher. Je vais essayer d'en amasser le plus demain.
hein, les coffres et des énigmes. Mais je pense que l'on passera une grosse partie du live, je pense la première moitié, à vider des coffres. Ah oui, on va vider des coffres. Oh là là, on va en vider plein. On va en vider des quantités. Parce que les énigmes de Nostradamus, je pense que je vais les trouver facilement. Et le reste, voilà, je ne vais pas acheter ces trucs-là. Merci, non merci. Voilà. Donc, avec tout ça, comme je le disais, on va aller acheter ce truc-là tout de suite. Et une fois qu'on a acheté ce truc-là, on va partir faire mon signe. Parce que le signe du cancer, c'est mon signe. Pardonnez-moi. Voilà. Alors j'espère par contre que les mémoires d'Arnaud, c'est pas une mission spéciale. Parce que si c'est une mission spéciale, les mémoires d'Arnaud, et ben là pour le coup, il va falloir qu'on la cherche. Parce que pour ceux qui se souviennent, les mémoires d'Arnaud, voilà, adieu, au revoir. Je les ai plantées en buguant, c'était merveilleux. Voilà, pardonnez-moi, excusez ma maladresse, je suis pressé. La France m'attend. La France demande mon sacrifice. Je devrais plutôt dire demande ma dédication. Je me dédie entièrement à la France. Le complot autrichien, je m'en fous. Et voilà, dernier café à restaurer. Et ainsi, j'ai restauré tous les cafés, tous les emplacements de la ville. Donc, je gagnerai normalement une quantité astronomique d'argent au sein de ces trucs. Voilà. Je suis déjà content d'avoir remarqué que j'ai pu vider au moins l'île centrale et qu'il n'y avait rien qu'à pop. Ouais, il n'y a rien qu'à pop dessus. Je suis content. Par contre, c'est vrai que, bon sang de bonsoir, je suis... Pouf. C'est... J'ai pas fini de vider le reste. Hein. Là, le Nord, il va... Demain matin, je pense que je vais vider les coffres du Nord. Hein. Ouh là 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 là. Peut-être que je vais même le faire ça après le live. Hein. J'ai des choses à... Regardez, rien que le Sud. Il y a tellement d'argent à se faire. À l'infini. Attends, je me suis perdu. C'est où que je dois aller? Un cancer. Je vais me téléporter ici parce que je crois que je suis un peu loin. Allez, téléportation. On va aller choper le cancer. Ah 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 ah. C'était tout pour moi. Bonne journée à vous. Allez, au revoir. Fin du live. Ciao. Ah, punaise des bois. Allez, il nous reste 20 minutes. 20 minutes pour réussir à finir. Oup. Ouch. Aïe, mon dos. Je suis tombé sur le bord, là. Oh, la vache. Pardon, ma sœur. Pardon, mon frère. C'est mon père. Alors, je te considère pas comme mon père. J'ai plus de père. Ou les pères que j'ai, ils meurent. Donc si vous voulez être mon père, y a pas de problème. Eh bien, mon frère. J'aime mieux ça. Alors, voyons voir ça. Dans un endroit que je ne connais pas, que je n'ai pas du tout exploré, dont je ne sais absolument rien, faisons le cancer. Acceptons le suivant. Sur une église qui durera plus d'un millénaire, trois aiguilles pointent vers le ciel. La vérité est sur la plus haute. Ah ah. Oh bonjour le chat. Hop. Durera des millénaires. Le mec était un devin. Ouais, mais c'est les prévisions de Nostradamus, tu m'étonnes. Hop. Donc c'est sur celle-ci. Alors, ouf. Ah, je l'entends. Je l'entends. Mais alors la question c'est, bon sang, où?
Hop. Hop. Allez, allez, Arnaud. Arnaud, s'il te plaît. Casse pas les castagnettes, je t'en prie. Bon sang, Arnaud. Voilà. Sur le terrain de jeu des riches, construit par la maison des Medici, le grand foyer transportera vers le sommet de la société. ¿Qué está haciendo el pasando? Le terrain de jeu des riches? The fuck? Point d'intérêt? Champ de Mars? Je suis perplexe. Je suis actuellement perplexe. On fait voir ça. C'est pour rejoindre une mission coop en cours, interagissez avec une silhouette d'assassin. Je m'en fous. Absolument. Complètement. Sur le terrain de jeu des riches, construit par la maison de Medici, le grand foyer transportera vers le sommet de la société. C'est pas la maison des Invalides? Pas un truc comme ça? Et ben, un truc comme ça... Je subodore, je suspecte, j'imagine, j'appréhende, j'hypothétise. Pardon ma sœur. Encore une fois, j'insiste, je ne suis pas votre sœur, je suis votre mère. Mère supérieure. Oui, alors encore une fois, ma mère est morte. Voilà, si vous voulez mourir vous aussi, j'ai aucun problème avec là-dessus, avec ce souci. Mais bon, après, si vous... Votre choix, madame. Votre choix, votre mort. Ah, c'est pas moi qui vais vous tuer, hein, je précise. Mais bon, après, voilà, si je commence à vous appeler ma mère, toutes les personnes que j'ai appelées ma mère, ben... Elles ont décédé, à mon grand regret et à mon grand désespoir. Alors, nous sommes arrivés. J'étais en train de partir très loin, moi. Nous sommes arrivés. Question maintenant. Est-ce que nous sommes arrivés à la bonne destination? Oh, j'ai vu quelque chose. Ah mais c'est pas mon symbole. Ha! C'est pas le symbole que je recherche. Très bonne question. Eh bien nous allons voir cela grâce au cheat. Le cheat, bien évidemment. Qui est juste à portée de main. Cancer, voilà. Le cancer. Énigme numéro 1. Bon, ça, je l'avais trouvé. L'énigme numéro 2 se trouve dans l'entrée du... Et en plus, je le savais. Mais par contre, il nous envoie loin. Je veux dire, c'est carrément deux secteurs plus loin. Au quoi que c'est juste à côté au niveau de la jouacture, mais quand même. C'est un peu loin, non? Bah oui, le palais du Luxembourg, ça avait été... On l'avait lu, en plus. J'avais lu l'histoire du palais du Luxembourg, ça avait été créé par... Par une certaine Catherine de Médicis. Et qui avait voulu essayer de se faire apprécier par les Parisiens. Bizarrement, c'est mal passé quand elle a construit en plein milieu de la ville un gigantesque palais pour dire « c'est ma propriété, bande de bouseux ». Généralement, quand tu commences à insulter ton peuple allègrement en étant assez ostentatoire, alors, où qu'il est?
Je suis pas aussi loin normalement. Ah là. Haha. Nanidesca. Nanidesca, Nanidesca, Sore. Sore, wa. Ah, j'en ai fait des pop-ins de l'existence. Haha. Fontaine de savoir, jouer des anges dans le jardin de la vie, l'homme a appris le péché. L'homme a appris. Attends. Quoi? Fontaine de savoir, jouer des anges. Nanny the fuck. Dernière énigme alors. Attendez avant que je regarde. Sous tes pieds, les riches cachent leurs secrets. Le cadran solaire compte les jours parmi les vers et les os. Il y a une entrée, il y a une entrée. Une église. Mais oui, c'est ça. Mais oui, il y a un. C'est un. C'est le cimetière parmi les vers et les os. Mais un endroit. Les riches cachent leurs secrets. Nanidesca. Oh, attendez, non. C'est pas un cimetière, là. Ce n'est absolument pas un cimetière. Et là, je n'ai... Pourquoi j'arrive plus à monter? Quand même. C'est quand même pas fouillade. Il y a, semblerait-il, des catacombes dans les environs. Ah ah! Juste là. Bien le bonjour! J'ai voulu le buter. Pauvre. Littéralement, j'ai voulu lui arriver dessus, lui faire un coucou. Meurs. Salut! Voilà. Merci, bien à vous. Bisous. Oh, niveau 3. Concentrons-nous. Concentration. Yes. Yes. À jouer sans. Cinq mille. Putain, c'est un coffre qui vient de Franciade, ça. C'est un coffre perdu de Franciade, c'est pour ça. C'est un coffre de level 1 perdu de Franciade. Ça doit être ça. Ouais. Quatrième. Alors attendez, parce que là pour le coup. Ouais, donc c'est bien ça, il faut. Oula. C'est sous les. C'est dans les catacombes. Quelque part. Voilà. Il est là le dernier. Voilà, les gymnos renus semaines des fragments. Et voilà. Je me suis un peu aidé sur la fin, mais il est vrai que j'avais les moyens de trouver les solutions pour le premier. Pour les deux premiers. Le troisième, je pense que c'était parce que je n'avais pas relu les jardins. Je pense qu'il y avait un élément là-dedans qui devait être important. Sinon, c'était du facile. Non, je m'en fous. Ça aurait été largement aisé de découvrir tout ceci. Je pense que il n'y a pas plus simple là-dessus. Alors, on va se faire quelques petits coffres avant la fin parce qu'il y a 50 minutes, mesdames et messieurs. Tous les clients sont les bienvenus. Je vais me permettre rapidement. Hop. C'est pas grand chose. Et puis nous allons bientôt nous faire un masse de blé. Très beaucoup d'argent. Putain, je suis descendu à 28 000. Je suis pauvre.
Alors... Comment que je rentre là-dedans? Comment que je vais les embêter? J'aimerais beaucoup les embêter. Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais les embêter. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Les valeurs se perdent, oui, 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 ça c'est bien une réplique française, ça. Ça sent, ça s'entend. Ça en a la couleur et l'odeur. Allez, allez, oh. Et bon sang, comment qu'on rentre là-dedans? Parle-toi! Mais comment diable est-ce possible? Comment rentre-je à l'intérieur? C'est encore une fois l'un de ces trucs foireux où la solution est si proche, mais je suis débile. Voilà. Allez, faquin! Et toi, reste couché. Bien. Parce que je les vois, hein, tous les trois là-haut. Mais il n'y a aucun moyen que je vois à portée de main qui me permettrait de monter. Bien le bonjour, mon ami. À moins que ce soit au-dessus, là. Non. Voilà. Ou alors, est-ce que c'est parce que... Il faut que je passe par un autre chemin. Non, mais c'est pas où? Parce que j'ai trouvé, hein, finalement, le coffre qui était enfermé sous la surface. J'ai trouvé, il y avait une entrée, littéralement, à... que je n'avais point vu, l'entrée dans les souterrains qui était à l'intérieur des cours, que j'avais beau me tourner dans tous les sens, je l'avais absolument loupé. Voilà. Et donc, là, je suis en train de vivre le même cauchemar. Il y a une entrée que je suis en train véritablement d'ignorer. Et cette entrée... me permet d'aller asticoter les gens qui sont en dessus. Parce qu'ils sont là, hein, mais... Mais il n'y a aucun moyen pour moi de rentrer dedans, quoi. Comment ça se fait? Voilà qui est ennuyeux, fort ennuyeux. Je ne peux pas me résoudre à partir sans elle. À moins que ce soit par en dessous. C'est-à-dire qu'il faut que je passe par en dessous pour remonter à la surface. C'est ça votre délire? C'est ça votre solution miracle? Faut que j'explore les catacombes souterraines pour remonter à la surface et trouver le bonheur. Bah non, en plus, vous voyez, hein, c'est pas... y a rien d'autre. Hein. Absolument rien d'autre. C'est comment je fais, moi? Comment je fais pour me perdre? Comment est-ce que je fais pour louper ce genre de choses? Je suis sûr que vous avez des yeux bien meilleurs que moi. Enfin, ils sont bien plus en face des trous que les miens. Je suis sûr que c'est comme ça que vous arrivez à faire des top 1 sur Fortnite. Ou dans tous les autres jeux sur lesquels qui demandent un peu de skill. Sur lesquels actuellement je suis clairement déficitaire.
Bien bonsoir. Et voilà. Tout ça pour... pantalon ajusté de son culotte. Et c'est dommage. Ouais. C'est clairement dommage. Parce que je n'en ai pas vraiment l'utilité vu que je suis en train de me personnifier vraiment dans ce truc-là. Mais bon. Toujours incollectible. Voilà. Et bien avec tout ceci, cela fait 57 minutes que je suis en train de chercher la solution là-dessus. Je pense que je vais m'arrêter là. Oui, c'est court, je le sais, j'en suis conscient. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai du travail. Donc, ce soir, moi je vais essayer de finir les coffres du Nord. Demain matin, je vais essayer de finir les... je vais essayer d'avancer au plus... les énigmes. Une fois que j'ai fait toutes les énigmes, une fois que j'ai trouvé les énigmes, que je les ai fait et fini, enfin que j'ai fini une grande majorité demain matin, nous continuerons les dernières le soir, et une fois qu'on aura fait, enfin dans l'après-midi, à partir de 17h, je vous redonne le rendez-vous, 17h demain, live long, une fois qu'on aura fini tout cela, on récupère la dernière armure, l'armure normalement ultra cheatée de ce opus pour voir à quel point elle est Krakos ou quoi que ce soit. Et une fois que nous aurons fini et récupéré tout ceci, qu'on aura donc vidé les coffres, qu'on aura récupéré de là, on se lancera sur les dernières et ultimes missions, séquences et éléments qui nous permettront de finir Assassin's Creed Unity. Voilà, c'est un programme, et c'est un programme sur lequel j'espère pouvoir m'y tenir jusqu'au bout. Sur ce, mes chers aventuriers de l'extrême, je vous souhaite à tous une fort bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. C'était Dark Illyrion pour la chaîne Madness Productions. On va mettre un tout petit générique et on va arrêter tout cela tranquillement. Puisque moi, je vais continuer le jeu vidéo juste derrière. Pour cela, je vais prendre un petit... voilà, Bean of Light.